Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur Total War Warhammer 2 avec l'épisode 4 avec le comte Noctilus von Kerstein. Lors du dernier épisode, nous avons réussi à nous emparer de la cité de Tor Setai et de terminer la menace qui était Calédor. Cependant, on voulait unifier toute la province, mais Lothairn a réussi son opération en s'emparant de la ville du repos de Calédor. Et du coup, on va essayer d'éviter une guerre contre Lothairn, parce que nous savons très bien qu'on ne résisterait pas. Niveau économie, on a toujours des petites complications. Du coup, ce que je vais faire pour le moment, c'est recruter un cadavre bouffi. On va perdre des sous, mais bon. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de... Je vais supprimer deux unités d'artilleurs de pistolets zombies, donc les deux moins expérimentés. Et on va essayer de prendre des unités d'artilleurs pirates zombies bombardiers. Donc c'est comme des grenadiers, quoi. Et on va voir ce que ça vaut. Très bien, du coup. Et je pense qu'au prochain tour, on va aller se mettre en route parce que je vois quelque chose là. Quelque chose qui brille, peut-être une île ou un objectif, je ne sais pas. Allons voir. Donc évidemment, là, on va essayer de trouver d'autres terres à conquérir. Même si on n'a pas un empire forcément. On va dire localisé sur une même province, ça peut être aussi intéressant de faire des points stratégiques spécialisés dans tel ou tel recrutement. Et de toute façon, on a le recrutement général, on peut recruter de tout, même si ça met plus de temps. Donc ça peut être une stratégie intéressante à développer. Mais il faut pas oublier aussi que l'ordre public en ce moment, c'est pas la joie du côté de Calédor, parce qu'on a conquis la province. Ah, ça c'est bien. Parfait. Du coup, je vais faire également. Je vais mettre le flotteur Tildarson en marche forcée pour qu'il évite d'avoir des mauvaises surprises. Oh, si je m'en vais, ça fait combien? Ah, moins 5 quand même. Hein. Ouais, moins 5. Même si la corruption monte. J'hésite à lever un autre général en fait, là, clairement. Moins 6 maintenant. Si je retire les impôts, on va plonger. Ouais, on va plonger. Et je vais juste regarder quelque chose. Oui, moins 2. Bon. On va essayer de faire comme ça en attendant pour limiter les dégâts. La corruption empirique augmente progressivement. Mais ça ne suffira pas. Ce que je vais essayer de faire, c'est de débloquer des compétences. Genre, pourquoi pas artifice, tiens. Comme ça, la corruption vampirique augmenterait plus vite. Ouais, on va essayer. Je vais dire à Noctilus de partir en pleine vitesse. Il y a quelque chose ici. Je vais aller voir ce que c'est. Actuellement, je suis en train de développer une technologie pour augmenter un peu leur public dans les provinces de plus 2. Elle mettra encore 5 tours environ. Il faut espérer qu'on n'ait pas une offensive sur Lothairn ou de Lothairn sur nos terres. Voilà. Donc la petite rime indiscrète. Sinon là, on va être dans une situation assez délicate. Mais bon, je regrette qu'on n'ait pas eu le temps de s'emparer de recoloniser la cité, mais c'est comme ça. Construire le maelstrom actif, ouais, je veux bien. Oui, bah oui, t'as raison. On va voir ce que c'est. J'espère que c'est pas genre une des l'autre que je suis en guerre là, parce que ça pourrait m'emmerder un peu. Ah, il y a une île. Il y a une île ici. Donc, ok, au moins on sait ce que c'est. On ira faire un petit tour. Je pars côté d'unité de renom. Et heureusement, que ça coûte cher. Alors, le cimetière du Ganon, ça se passe bien là-bas. On a des sous au niveau 2. Je vais voir ce que... J'ai une carte au trésor aussi dans le sud des terres du sud. Donc, on verra ce que c'est, hein. Donc peut-être qu'on aura des surprises. Pièce de 8, ouais. C'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être un régiment de renom. On va aller voir. Allez. Ah, Elirion et Nanterre sont en guerre, ça m'arrange. Comme ça, eux nous emmerdaient. Ils s'emmerdent entre eux, c'est pas plus mal. Peut-être que d'un autre côté, on peut profiter pour attaquer Lothairn dans le dos. Mais bon, connaissant l'IA qui a la faculté à se focaliser sur le joueur humain et pas entre elles, bah, ça risque de faire mal.
Très bien. On va se rendre là. Oh! Les corsaires des Tangutis, on va essayer de se voir ce que c'est. Ça va être une bataille, je pense, contre eux. Ça, c'est obligatoire. Je demande ce qu'ils ont une unité. Ils ont des lanciers. Des corsaires des arches noires. Ouais, c'est une armée costaud quand même. Hein. Attention de ne pas sous-estimer l'adversaire, évidemment. Ça pourrait nous coûter très cher. Là, pourquoi je monte à moins 4 personnage moins 2. Pourtant, il y a de la répression militaire. On ne peut savoir quoi en faire. Donc, j'essaie de recruter un. Hop. Ça redescend à moins 3, c'est parfait. Je pense qu'au prochain tour, il va y avoir une bataille. J'espère juste qu'ils vont pas avoir des unités trop dégueulasses. Ouais, on va essayer de se les faire, les corsaires. Et si on peut récupérer. Alors, est-ce qu'ils vont nous attaquer d'abord avant de récupérer le trésor? Peut-être qu'on aura une solution. Ah, il ne m'attaque pas. Ah, ça c'est bien. Plusieurs tours en mer, 3% de campagne. Le flotteur Tildarson a pris un rang, félicitations. On va faire coup de recrutement moins 3%. Ça. Alors attends, je vais faire ça. Ok, bon, on a déjà ça de récupérer. Oh là là, les sous, ça va pas du tout. Et je vais tout de suite. Ah, je peux pas accéder à l'île. Faut que je les affronte, c'est ça? On a nos chances selon la. Selon l'ordinateur. Alors. Ah, les balistes, elles ont 350 de portée. Notre canon, il a 330. On va essayer de se le faire. Hein. Je pense qu'il y a moyen, si on joue bien. Eux, les corsaires, faudra les avoir à distance. Ou envoyer les cadavres bouffis littéralement dessus. Attention aux cavaliers noirs. Aux arbalétriers à répétition. Bon, on a une puissance de feu quand même assez acceptable, on va dire. On a le comte Noctilus qui est un excellent magicien. Donc je pense que ça devrait aller. Donc on va se battre contre les corsaires des terres englouties. Je pense que c'est eux qui ont le fameux harpon stellaire. Je suis pas sûr à 100%, mais ça m'étonnerait pas. Donc on se retrouve pour cette bataille. On se retrouve pour cette bataille contre les corsaires elfes noirs. Donc on va se déployer comme ça. J'ai mis le canon, le Necrofex avec son canon pour qu'il soit le plus loin possible. Je vais faire attention où sont les balistes parce qu'elles sont d'être au centre. Donc j'essaie de tirer sur les côtés pour voir comment l'adversaire réagit. Noctilus est à l'arrière avec une réserve. Donc on va voir en route. Je vais essayer de tirer à distance, donc alors. La baliste elle est quelque. Elle est là. Ah non, là c'est le général. Alors, quel est le champ? Là, ils veulent nous forcer à venir vers eux, mais on va faire l'inverse. On va jouer le temps. Attention, la baliste qui s'amuse à vouloir me tirer dessus. Je vais essayer de tirer dessus au canon. Voilà. La baliste faucheuse qui s'approche. Pour envoyer mes chauves-souris dessus, mais. Attention, il tire sur quoi là? Sur le colosse? Non, bah non, bien sûr, il va tirer sur nos troupes. On va envoyer ça. Il faut que le canon Necrofex couvre notre avancée. Parce que là, on va galérer sinon. Après, je peux envoyer les chauves-souris aussi, mais bon. Ah, joli. Le canon qui commence à faire très très mal, ça c'est cool. Il peut faire feu en marchant aussi. Bon, ça va, ça va. Franchement, il y a pire. Et je vais essayer de sacrifier un peu mes chauves-souris dans le but de protéger le maximum mes troupes. Bon, le canon, il fait quand même le job, attention. Normalement, ça devrait être bon. Je vais dire à ça de venir là. Quoi, l'artillerie l'emporte, sérieusement, faut rigoler. Et ils font pas de dégâts, je suppose. Quoique. Bon, on va peut-être perdre nos unités là, mais c'est pas grave. On a quand même de quoi répondre. Hein. Et j'ai le cadavre bouffi là, j'essaie de le garder. Le lancier. Bon, au moins l'artillerie la fuit pour le moment, c'est plutôt intéressant. Et je vais dire à mes tireurs de venir là. Eux de venir là. Mon lancier est où là? Il est à l'arrière. Je
Les tireurs, vous allez me tirer là-dessus. Allez, viens là, toi. Allez, saute, explose là-dessus, mon grand. Oh bah, déjà, ils ont quand même la classe, les corsaires. Allez, hop, un régiment de corsaires qui est quasiment anéanti. Les chauves-souris, si on n'en parle plus. Au niveau des tireurs, où sont des arquebusiers, sont pour au corps à corps. Ah, ici, ok. Très bien. Tâtonnez-moi ça, là, les grenadiers. Je vous paye pour ça, non? Je vais dire à mes unités de venir là. Alors. Noctilus, tu vas venir là. Il faut abattre le général adverse, bien sûr. Et je vais donner à ça un petit... Hop, putain. Oh! Oh, des corsaires qui volent. Alors, ici, oula, attention. Le colosse nécrofex, bah là, on va essayer de tirer sur les cavaliers. Ah, ils sont compliqués à gérer, hein. Oh la vache. J'essaie de trouver le général adverse qui est là-bas, très bien. La cavalerie qui se fait cartonner ou pas. Bon, au moins là, on va être tranquille avec eux. Ils sont très bien utiles, ces troupes-là. Hein. Et s'ils arrêtaient de courir aussi, ça m'arrangerait. Là-bas, ça se fait tirer dessus, on va tirer là. Noctilus, on va lui dire de faire un petit sort de zone. Pour régénérer des troupes, je pense ici, ouais. Par contre, on a deux unités qui servent à rien, on va leur dire de se ramener là. Bon, la carrière, pour le moment, on l'a éloigné. Le Necrofex, là, il va tirer dans les sombres traits. Et je vais dire à ça de tirer là-dessus. Bon, c'est pas mal. Qu'est-ce qui me tire? Ah, ok, j'ai compris. Ah, voilà, c'est un peu le bordel, cette bataille, hein, mais on va s'en sortir. Je vais dire à ça de tirer là-dessus. Les arquebusiers, les artilleurs pirates zombies qui font le job ici, y a rien à dire. Ah, il y a eu quelque chose, j'ai pas vu ce sort. Alors, ici on va flanquer. On va flanquer là. On va ramener le reste ici. Pour ça, on a perdu que 300 hommes dans la fête, on va dire. Et encore. Noctilus qui se débrouille très bien, il va régénérer aussi ses bombardiers. Alors là on va tirer dans le tas évidemment. Les boucaniers et les gardes profondeurs en survivant, vous allez venir ici, dans le dos des affrelances. Vous me tirez là-dessus. Ah, il est quand même classé. On le sature, c'est très bien. Faites abattre votre puissance de feu sur lui. Et là, on a un beau spectacle de bombardement. Très efficace pour semer la perturbation dans leur adversaire. Le général aux armes hybrides, Tarket le subalterne, est en train de rendre gentiment l'âme. Ah, notre canon n'a plus de munitions, c'est con ça. Allez, meurs, meurs, meurs. Allez, oust. C'est bien, normalement, le moral, là, ça va s'effondrer. Et le colosse nécrophage est en train d'entrer dans la mêlée pour tataner tout ce petit monde. Ok, donc je vais vous laisser là. Je vais faire la poursuite pour me faire un peu d'XP et avoir moins d'ennemis à tuer la prochaine fois. On va gagner contre les corsaires à donc on va régénérer les troupes. C'est 3%, mais c'est toujours ça de prix. Défense de Kraken. Oh, obligé. Ah. Non. Shifting, concealing, hiding secrets beneath their murky depths. The living have no place in the dark deep of the sea. Only the dead can scavenge here. Wolfheart's ship, a vengeance left unfulfilled. But that was not all the captain left behind.
There it gleams amidst the carcass of the ship. A harpoon of tempered star metal. The only weapon strong enough to pierce the heart of Amarna. The harpoon is claimed. But the charms that made it so potent have been washed away. There is much to do before the weapon can be used against the beast. Eh bien, c'est pas mal tout ça. Oh, 7000. Wow. Qui c'est qui a obtenu le trait militant? J'ai pas vu. Alors, Noctilus pied marin. Punaise, j'ai gagné encore de la portée de campagne. Noctilus qui passera en 7, félicitations. Alors, je vais lui faire quoi? J'hésite. J'ai envie de baisser les coûts d'entretien de l'armée. Et je veux faire ça en priorité. Derrière, je vais récupérer ça. Oh, bouclier enchanté, très bien. Ah non, dommage, j'aurais pas la portée pour les battre. Je vais le mettre en expansion amiral, on va voir ce que ça donne. Je vais bâtir tout de suite ça pour augmenter la corruption empirique et réduire l'entretien. Je vais voir si je peux recruter des choses. Je peux recruter des choses, oui. En revanche, nos troupes ont pris de gros dégâts ici. Alors on a 6 unités, on va en virer une. Je vais recruter quand même 2 arquebusiers zombies en renfort. Ça sera déjà un début. Ensuite, je peux recruter ceci. Quoique, attends, avant de recruter un arquebusier zombie, je vais en ressusciter un. Je vais en recruter 1, 2 et 3. Comme ça, j'en aurai 6. C'est pas mal. À l'enclume de vol, je vais augmenter ce bâtiment-là pour avoir un petit peu plus de croissance. Le cimetière de Galion. Qu'est-ce que je peux faire ici? L'ordre public, ça sert à rien. Il est très bon. Ouais, ça. Je vais augmenter la cité au niveau 3. Allez. On va se faire plaisir. Et prochain tour, on achève tout ça. Et dans deux tours, on aura la technologie pour avoir l'ordre public supplémentaire qui va être très utile, surtout à Calédor. Et on a le fameux arc constellaire. Oula. Ouais, je vous dérange pas, les mecs. Je vous ai rien fait, hein. Oh. Et c'est pas une petite armée, bien sûr. Ah bah non, hein. On est dans la merde. Oh, on peut recruter un héros. Le seul. Alors, lui, j'ai entendu que le Morngul, ça ressemble à une goule éthérée. Et l'artilleur revenant... Non, on va prendre lui d'abord. Plus 2 d'ordre public, c'est très bien, donc ça va réduire. Et toi, mon vieux, bah, Noctilus, tu vas taper ça et le détruire. Évidemment, ça ne suffit pas. On va détruire. Ah, je suis obligé de la faire. Je crois que je vais plutôt vous le faire la prochaine fois. Ça. Franchement, vu ce qui reste, ça serait une paire de temps. C'est dommage que je peux pas faire la bataille en automatique, mais c'est pas grave. Donc, on va se laisser là pour un petit peu de suspense. On a le harpon stellaire, première chose. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine, c'était Kaiser von Kerstein, merci d'avoir suivi et à bientôt.